Lorsque vous accédez au site 1A, vous pouvez visiter les cours, les nombreux cours qui sont disponibles en téléchargement. Donc, on vous incite à les visiter, regarder, et ensuite, vous pourrez les télécharger. Alors, la façon de faire, c'est de vous connecter avec nom d'usager et mot de passe qui est visiteur, et vous pourrez faire le tour des cours. Une fois que vous avez choisi votre cours, vous pouvez cliquer sur le bouton Téléchargement. Donc, vous pourrez télécharger un fichier de type MBZ, qui sera dans votre dossier téléchargement ou sur le bureau. Ensuite, je retourne dans mon cours et je vais aller importer le cours. En fait, vu que je vais chercher le cours complet, ça va plutôt être restauré. Donc, c'est une restauration que je vais faire. Et j'ai une zone de dépôt pour aller déposer le fichier que j'avais récupéré tout à l'heure. Donc, je prends le fichier, simplement le glisser dans la zone de dépôt. Donc, je restaure une fois que le téléchargement du fichier est terminé. Je confirme. Et j'ai plusieurs possibilités. Dans ce cas-ci, je veux le restaurer dans un cours, à l'intérieur d'un cours. Donc, je vais choisir restaurer dans un cours. Je confirme là aussi.